Messi a remporté son 44e trophée avec son nouveau club Inter Miami. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Léo Messi qui a remporté son 44e trophée et qui devient le joueur le plus titré de l'histoire du foot. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous on parle de foot, ici nous on est passionné par le foot. Donc si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors les amis, Messi a remporté son 44e, les amis. Écoutez bien, 44e trophée en carrière avec son nouveau club Inter Miami. Ce qui fait de lui le joueur le plus titré de l'histoire du football. C'est vraiment fantastique. Franchement, pour moi, Messi, c'est le meilleur joueur de tous les temps. Pour moi, c'est le meilleur joueur de tous les temps. Beaucoup vont dire que c'est Pelé, mais Pelé, moi je n'ai pas vu Pelé jouer. C'est compliqué de juger Pelé. On va me dire, va regarder sur YouTube. Mais sauf que sur YouTube, vois les vidéos compilées et la réalité, c'est le jour et la nuit. Vois les vidéos compilées d'un joueur et le voit jouer en réalité, c'est le jour et la nuit. Donc, moi je pense tout simplement que Messi pour moi, c'est le meilleur joueur de tous les temps. Certes, Pelé était un monstre, Maradona était un monstre, mais vu ce que Messi a fait, Messi de 2009, 2010, 2011, 2012, il était injouable. Son Barça était injouable. Donc, moi, je vois Messi meilleur joueur de tous les temps. Et félicitations à Messi d'avoir remporté son 44e trophée. Moi, je suis vraiment très content pour lui. Il le mérite. Partage-moi ton ressenti en commentaire. Selon toi, qui est le meilleur joueur de tous les temps? Dis-moi tout. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Ce soir, on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.